bien, aujourd'hui nouvelle vidéo. Si vous n'avez pas suivi le vlog précédent, allez le suivre, vous allez comprendre pourquoi on n'est pas dans le même décor que d'habitude. Donc là il est exactement midi 20 et moi je vais m'apprêter à préparer à manger. Enfin je vais juste me faire une salade rapidement, à quoi je sais pas, je vais voir, de toute façon j'ai pris des trucs à la maison. Donc je vais faire ça, Ayoub est au boulot, hein. Donc moi je suis toute seule ici, mais ça va, c'est très très calme, il n'y a personne, je vais essayer aujourd'hui de vous faire un petit tour, et il pleut, hein. Donc je pense pas aujourd'hui sortir, mais c'est pas très grave parce que j'ai des choses à faire, j'ai dû décaler des rendez-vous, faut que j'appelle aussi pour dire que, bref, il y a certains rendez-vous, je vais pas pouvoir partir cette semaine. Donc j'ai des petites choses à faire, ça va m'occuper. Et puis bah voilà, nouvelle journée aujourd'hui avec moi. J'allais dire avec nous, mais Ayoub, je pense que vous allez pas le voir maintenant. Bref, je vous laisse et je vous dis à tout de suite. Bon, vous étiez à l'étage là, il est 19h, je vous prends vraiment en fin de journée. J'ai passé la journée à l'étage, voilà. J'étais posée sur le lit à faire des petites choses, ça change d'être posée au bureau. Et là je suis à fond sur la série Lucifer qui m'a été fortement recommandée par ma soeur. Ça faisait depuis le début du ramadan qu'elle m'en parlait à table à chaque fois. Et là vu que j'ai un peu de temps devant moi pour regarder la série, là je suis donc à la saison 1 épisode 7. Donc voilà, sinon à part ça aujourd'hui je suis pas sortie, là il fait un petit peu beau, enfin il y a des rayons de soleil, ça fait du bien. Mais voilà, c'est pas grave, je suis contente parce que j'ai fait aujourd'hui tout ce que j'avais à faire. Demain, bref, demain ce serait une autre journée. C'est pas très nécessaire que je vous explique tout ça dans la journée d'aujourd'hui. Donc comme je vous ai dit, là je vais préparer un manger. Honnêtement, ce soir je sais pas vraiment ce que je vais faire, enfin j'allais faire du poulet. J'ai pas ramené d'huile de tournesol, j'ai pas pensé à en ramener, j'ai ramené juste de l'huile d'olive, mais ça fera l'affaire. Donc je pense que je vais faire du poulet avec une bonne sauce et du riz. Donc je vais sortir la viande que j'avais mis au congélateur. Ouais, je vais la laisser décongeler. Je sais pas s'il y a une option décongélation. Ah si. Ah génial. Bah au pire, je vais laisser décongeler un petit peu et si bah il a pas décongelé, je le décongélerai au micro-ondes. Donc ce que je vais faire, je vais juste commencer à préparer la sauce, enfin m'avancer sur le repas, comme ça au moins ça sera fait. Donc là j'ai mis l'équivalent de 1 oignon et demi blanc. Finalement je pense que je vais décongeler ma viande maintenant parce que j'ai envie de préparer le repas, comme ça c'est fait. Bon, l'idéal, ce que je fais habituellement, c'est que je sors ma viande avant, mais franchement, j'ai pas du tout pensé à le faire. Bon appetito! Bon, je crois que c'est bon. Bref, je vais vous laisser et je vous reprends juste après. C'est pas un vlog folie, mais parfois il y a des jours, c'est comme ça. Là il est exactement 21h38 et j'étais en train de faire avec vous des stories sur Instagram et j'expliquais aussi à toutes celles qui me suivent sur Snap que si vous n'avez pas de compte Instagram, que c'était pas grave. Voilà, c'est tout. Mais aussi je disais que l'idéal serait pour moi à l'avenir d'utiliser un réseau où je pourrais vraiment discuter avec vous, parce que c'est plus simple pour moi, parce qu'à chaque fois que je fais des stories sur Snap, pour celles qui ont pas Snap, j'envoie tout sur Instagram et vice versa, et c'est un peu galère, enfin c'est rien de méchant, mais c'est vrai que pour moi je pense qu'à l'avenir ce serait mieux que ou soit je me focalise à fond sur Instagram
ou soit sur Snap. Mais je vous cache pas qu'en ce moment, j'ai très envie de faire plus de stories sur Instagram, de faire voilà, plus de photos, etc. Après, les photos, ça demandait. Il n'y avait plus de batterie. Donc, entre-temps, j'étais au téléphone avec ma mère et là, je suis partie chercher une autre batterie. Donc, oui, je vous expliquais que faire du contenu sur Instagram, des photos, tout ça, ça prend quand même du temps. Et comme vous le savez, je ne fais pas que YouTube, je ne fais pas que Instagram, enfin, les réseaux, tout ça, tout ça. Je ne peux pas me permettre de prendre une journée pour simplement aller faire du contenu. Mais de temps en temps, peut-être caler des photos un petit peu plus sur Instagram, ce serait vraiment cool. J'aimerais vraiment beaucoup. À chaque fois, je le dis, mais parce que c'est vraiment un souhait de continuer à l'alimenter un petit peu plus. Donc là, je commence par les stories et tout. Et après, bah, je vais essayer de le faire évoluer normal, sans pression, tranquillement, avec passion surtout. Mais si vous voulez savoir, avant d'être sur YouTube, je n'avais aucun réseau social. La première fois que j'ai snappé, je me souviens, déjà quand je voyais les gens snapper, je trouvais ça tellement bizarre en fait. Et après, bah, quand t'es dans le truc, forcément tu comprends un peu plus. Et vu que bah il y a une interaction, il y a des gens qui me suivent, donc je réponds à des gens. Donc ça me paraît plus logique que snapper juste pour snapper alors qu'il n'y a personne qui te calcule. Non mais c'est vrai, la première fois j'avais personne hein, qui me suivait. Et c'est vrai qu'au début, bah c'était un peu compliqué. Enfin. C'est pas que c'était compliqué, mais je trouvais ça trop bizarre. Trop bizarre. Honnêtement, c'était. Ah, j'avais pas l'habitude du tout, mais maintenant, ah, c'est la refermée, c'est normal. Maintenant, j'ai grave l'habitude et au contraire, je kiffe trop ça. J'aime vraiment beaucoup bah, partager avec vous au-delà de YouTube. J'aime bien être active quand même, j'essaye sur les autres réseaux. Bref, donc là, il est 22h12. Ayoub finit à 23h pile. C'est ce qu'il m'a dit. Donc le temps qu'il rentre, etc. Il va rentrer assez tard. Voilà à quoi ressemble ma fête de l'Aïd. Je suis toute seule, mais c'est pas grave. Donc grosse dédicace à toutes celles qui ont passé l'Aïd toute seule. Voilà, comme vous pouvez le voir, moi aussi, je suis comme vous et j'ai passé cette journée toute seule. J'ai préparé mon repas. Je me suis bien avancée. Je vais vous montrer ce que j'ai fait pour ce soir. Donc j'ai fait du poulet avec des petites carottes et un petit peu plus tard je vais mettre mon riz à cuire et puis bah voilà, ce sera ça notre repas de l'Aïd. Salade pour ce soir, donc je vais mettre des petites crevettes qui restaient à la maison, je les ai prises avec moi. J'ai aussi pris du maïs, de la tomate et puis du surimi et un petit bout d'oignon rouge. Donc voilà la petite salade et puis le repas est prêt. Il faut que je mette le riz à cuire, ah oui j'ai oublié. Et j'utilise cette marque là de chez Lustucru, ils sont vraiment très très bons, leur riz j'aime beaucoup. J'ai retrouvé qui? J'ai retrouvé Ça se voit que ça fait longtemps que t'en parlais.
J'ai retrouvé Ayoum. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Ça y est, fin de journée? Ça y est. Ouais. Ouais, il est 23h34. 23. Voilà, il vient de rentrer. T'as faim? Ouais, j'ai vraiment faim. J'ai préparé un bon repas pour ce soir. Ouais, j'ai vraiment faim. J'ai mangé un McDo tout à l'heure. C'est vrai? Ouais, j'ai mangé un McDo à midi, mais. Bof. Ouais, bof. Ouais, bah ouais, tu Bof. m'étonnes. Bof de ouf. Entre le f'tour et le McDo, il y a une différence. Ouais. J'avais l'impression qu'il avait pas de goût. Ah ouais? Je te jure. Bref, donc là, nous, on va manger. T'es pas sorti Et aujourd'hui? puis, non. C'est vrai? Non. T'aurais dû partir, c'est juste à côté le centre-ville. Ouais, T'as je le port sais. à 400 mètres. Ouais, je sais. Tu sors, tu prends à gauche, au bout de la rue, t'es arrivé. On est Ouais, je super bien voulais, passé. mais il pleuvait. Et après, je me suis dit, je vais m'avancer sur ce Ah, que mais je je te dois laissais un faire. parapluie devant. Non, j'en ai pris un, t'inquiète. Ah. J'en ai mis un dans la valise. Et au pire des cas, on ira faire un petit tour là en fin de semaine. Ouais, quand Ouais. tu termineras. Ouais, on ira faire un petit tour en fin de Ouais, semaine. carrément. On peut faire aussi le Mont-Saint-Michel. Ah ouais, Ouais. pourquoi pas? Bah ouais, Ouais. pourquoi pas? Je sais pas, on a combien de temps, mais on peut faire ça quoi. Ouais, bah Ouais. grave. Et parce qu'on n'est pas venu pour les vacances, hein, on est venu pour le boulot, donc vous n'allez pas nous voir vadrouiller à droite à gauche. Mais peut-être qu'on prendra un jour ou deux en plus ici, on Ouais, verra. on Ouais. prendra un jour ou deux. Ouais, Ça carrément. nous reposera un peu. Ouais, bah surtout toi, parce que moi ça va, je suis à la On va maison. faire des petits tours aussi, on va changer d'air un peu. Ouais. Ouais. J'ai vu des beaux spas pas loin C'est vrai? là. Ouais. Il y a des beaux Piscine, hôtels à côté, spa, hein. hammam. Ouais, il y a des beaux hôtels. Ouais, il y a des hôtels très très luxueux, très jolis. Mmh. Ouais, j'ai regardé un petit peu sur internet ce Mmh. qu'il y avait dans les alentours. Bref, donc on va manger. Ça y est, l'entrée est posée. Et puis après, je vais poser le plat. T'as vu, j'ai mis le pain au four. Ah, t'as bien fait. Ouais, comme ça, bah, Moi il je vais sera aller bon. manger, j'ai trop faim. T'as faim? Ouais, j'ai Ouais. faim. Bon, je vais vous laisser. Et puis, je vous retrouve un petit peu plus tard pour clôturer le vlog. Là, j'ai installé l'entrée, comme je vous ai dit. Donc, la petite salade que je vous ai montrée à la préparation. Et puis, le Ah, plat, Ayoum ne l'a super. pas encore vu. Donc, pour nous, on fait notre petite soirée de l'Aïd vraiment en fin de journée. Et puis, bah, je vous laisse. Et puis, nous, on va profiter tranquillement de ce petit repas ensemble parce qu'on ne s'est pas vu du tout de la journée pour le coup. T'es parti à quelle heure ce matin? 7h30? Ouais, et puis bah, il vient de rentrer maintenant. Donc je vous laisse et je vous dis à tout de suite. Je viens de finir de faire la vaisselle, donc je vais partir me coucher. Enfin, je vais monter le vlog, mais vous avez compris, je vais partir me mettre au lit. J'espère que ce petit vlog vous a plu bah, dans cette petite maison. Voilà, j'ai pas fait grand-chose comme vous avez pu voir aujourd'hui, mais j'avais quand même envie de vous filmer et de discuter avec vous, tout simplement. Bref, à chaque fois je dis bref, mais ça fait partie d'un de mes tics de langage, donc désolée. Je vous laisse, et puis moi en attendant, je vous embrasse très très fort, et puis je vous dis. À très vite dans un nouveau vlog. Ciao!